Derrière moi, les gars, il y a Louis Vuitton, le magasin le plus luxueux de la planète Terre, les gars. Et ça, c'est l'usine de Louis Vuitton. Et aujourd'hui, on va fouiller toutes les poubelles des plus grands magasins de luxe, que ce soit Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, pour voir ce que les magasins les plus riches de France jettent dans leurs poubelles. Mais c'est jackpot, gros, parce que comme c'est des riches, c'est obligé qu'ils aient jeté plein de trucs. C'est ce qu'on va voir. Je sais pas du tout, les gars, mais on va voir si c'est vraiment vrai que les poubelles des magasins les plus riches sont remplies et c'est jackpot. En tout cas, on va commencer directement par se rendre à Monaco, dans la ville la plus luxueuse de France, pour vérifier et fouiller leurs poubelles en direct. C'est parti. On a donc roulé plus de 300 km pour être directement au plus proche des plus grandes marques de luxe et donc de leurs poubelles. Là, juste derrière nous, les gars, on parle pas fort, mais il y a Prada, les gars, un magasin super luxueux à Monaco. On va essayer de trouver les poubelles, les gars, de Prada. Ouais, à gauche, les gars, il y a des escaliers. Regardez-moi les escaliers, les gars. On sait vraiment pas, les gars, si ces escaliers mènent à quelque chose. Est-ce qu'on peut escalader, vous pensez ou pas, les gars? Porte aux alarmes. Mais est-ce qu'on peut escalader? Moi, je pense, les gars, on va essayer de faire tout le tour du magasin Prada, les gars, pour voir si on trouve des poubelles. Mais si on trouve pas, les gars, il faudra prendre la solution de secours. Les gars, il faudra prendre la solution de secours, les gars. C'est-à-dire escalader. On va essayer de trouver la poubelle, les gars. Et on arrive. Les gars, on cherchait les poubelles de Prada et on s'est rendu compte que juste à côté de Prada, vraiment côte à côte, les gars, il y a le magasin Céline. Céline. Ce qui signifie tout simplement que c'est une dinguerie. Ça va être tout regroupé. Si on trouve les poubelles, c'est le pactole. C'est vraiment ça. C'est Céline et Prada en même temps. Ce qui peut vraiment être bénéf pour nous. Donc, les gars, on va essayer de fouiller les poubelles au maximum. Let's go. Faut les trouver. Là, les gars, on a enfin trouvé les poubelles de Céline Prada. Les deux magasins ensemble, les gars. On a galéré à trouver les poubelles. Je parle pas fort, les gars, parce que je vais pas vous mentir. La zone, elle est mini. Si vous regardez derrière moi, il y a une caméra juste derrière. Les gars, on a dû se barrer vite. Et en fait, les gars, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on fouille les poubelles et d'un coup, t'as une porte qui s'est ouverte. On va faire tout le tour, on va attendre. Parce qu'à tout moment, ils appellent les Condés. Les gars, on est revenu. On va fouiller les poubelles de Céline et Prada, les gars. C'est parti. Je suis pressé de voir qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles de Céline et Prada. Il y a des cartons, les gars, premièrement de vin. Donc ça, les gars, c'est Valdo, Balen, Doc, Pescano Supérieur. Ce qui signifie simplement que des fois, des clients achètent des grosses tenues à Prada ou à Céline. Peut-être qu'ils leur offrent possiblement du vin, les gars. Y'a quoi? Bonjour. Ah désolé, on savait pas, désolé. Désolé. Maman, ça a sonné, les gars, on a déclenché une alarme. On a déclenché une alarme, les gars, wesh. Là, les gars, on vient de se faire entre guillemets engueuler parce qu'on est en train de fouiller les poubelles de Céline et Prada. Malheureusement, directement, une tête est sortie en nous disant l'alarme fait que sonner, arrêtez de fouiller, les gars. Ça signifie possiblement qu'ils ont des choses à cacher. S'ils ont des choses à cacher, les gars, on doit y aller, on doit essayer de fouiller, les gars, parce que j'ai jamais vu un magasin qui met des alarmes sur ses poubelles. C'est parti, on y va. Ce qui est chaud, c'est que je vais avoir même pas 20 secondes, même pas 10 secondes pour fouiller parce qu'en fait, au bout de 10 secondes, l'alarme se déclenche. C'est ce qu'on s'est rendu compte. J'y vais, je fouille le premier objet que je prends, je chope, je me taille. C'est bon? On y va. Vas-y, on style, on style. Ah les gars, je sais pas si vous avez entendu l'alarme. Viens, décale à gauche. Ah, on est cul, frère. Allez, les gars. Là les gars, c'est vraiment chaud. Mais en fait, on a même pas tout, on a même pas fouillé que l'alarme s'est déclenchée. Vous l'avez compris, les poubelles Prada et Céline sont vraiment ultra sécurisées. Sans même les toucher, l'alarme a sonné et nous avons dû partir en courant. Mais mon petit frère et Zakos le Tacos ont pris leur courage à deux mains et ont réussi à fouiller 10 secondes de plus pour trouver un sac. Et ce qu'ils ont trouvé dans ce sac est vraiment choquant. J'ai fouillé Apple Store, j'ai fouillé les magasins de foot, jamais il y avait autant d'alarme. La première chose que je prends, je guette, c'est quoi? On ramasse son style. Là les gars, on vient de revenir des poubelles de Céline et on n'a rien trouvé, sauf Zach. Ça fait 10 secondes, t'as pris un sac et les gars, le sac qu'il a pris Zach, une sorte de bouillie bizarre, les gars. C'est vraiment dégueulasse. Toi, c'est bien qu'un vomi. Moi en fait, ça sent la l'odeur, elle pue. Ça sent la pâtisserie, j'ai l'impression. Ouais, mais fermenté. La levure, un truc comme ça. Les gars, c'est quoi dessus? 3,2 kg, sachet de 40, 300. C'est croissant qu'ils donnent aux clients. En vrai, si c'était périmé, qu'ils l'ont jeté, ça va. Pour jeter 3 kg, faut que ce soit périmé, les gars. Ouais, on va leur laisser le bon soupçon. En tout cas, les gars, Céline, c'est la seule chose qu'on a trouvé dans leur poubelle. On s'est à peine mis devant que ça sonnait. Là, les gars, on est devant Dolce & Gabbana. On va essayer de voir où sont leurs poubelles. Et le but, c'est de trouver la meilleure poubelle possible. Donc là, faut voir où c'est. S'il y a une poubelle, les gars, faut la trouver direct, faut la trouver cash. Il y a un local à poubelle, les gars. Tous les locaux à poubelle de tous les magasins sont entre guillemets bloqués. Là, regardez, il y a une porte, il y a des grillages, on peut même pas y aller. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais tenter un truc, je vais sonner et je vais dire est-ce que c'est bien Dolce & Gabbana, est-ce que c'est vos poubelles. Pour être sûr que c'est leur poubelle. Une porte là. Ouais.
Les gars, ça ne répond absolument pas. Je pense que parce que Dolce & Gabbana est fermé. Là, les gars, en tout cas, derrière, vous voyez, il y a les poubelles. Je sais pas comment faire, les gars. On peut pas y accéder. Faut trouver notre magasin. Vous l'avez compris, après toute une journée à chercher les poubelles dans tout Monaco, on s'est rendu à l'évidence. On est dans une ville beaucoup trop sécurisée et avec beaucoup trop de policiers. Tellement la ville est luxueuse, pendant nos recherches, on a croisé Pogba par pur hasard. Ça va quoi, bien, une vidéo. Oh les gars, c'est une dégueulasse, on vient de croiser Paul Pogba, les gars, regardez. Oh là, il y a Paul Pogba. Les gars, c'est choquant. On a croisé Paul Pogba, les gars. Les gars, on voit vraiment qu'on est dans les magasins de luxe, les gars, dans le luxe. Je m'attendais à tout sauf à ça. Avant de partir, on voulait quand même récupérer un maximum d'infos sur l'emplacement des poubelles. On a donc demandé à un éboueur dans la rue où sont les poubelles des magasins de luxe. Bonjour, c'est quoi, vous êtes toujours avec ça, on veut savoir. Vous savez pas où sont les poubelles, tout ce qui est des magasins de luxe et tout. Je sais que t'en as, mais c'est sous le truc là, quand t'as pas, t'es intégré. Ouais, j'ai un souterrain. Et après t'as un autre truc, tu peux y aller, mais il y a que dalle, hein. Y a vraiment que des poubelles. T'as des escaliers qui descendent, là t'as un local poubelle. Ouais, ici, là, ouais, non, c'est protégé. Ouais, ouais, c'est normal. Il y a que dalle, hein. Ouais, il y a que dalle. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Avec toutes ces infos, c'était décidé, on allait revenir le soir pour toucher le jackpot en fouillant toutes les poubelles. On a dû revenir de nuit sur Monaco pour essayer de trouver toutes les poubelles des maisons de luxe. Et là les gars, on a enfin trouvé la première poubelle. Elle est juste ici. J'ai pris la pince pour tout simplement fouiller tout l'intérieur. Et selon les dires, cette poubelle les gars se trouve juste à l'arrière du magasin Christian Dior Paris les gars. Ce qui signifie que là à l'intérieur, il y a possiblement tout ce que Christian Dior Paris jette dans ses poubelles. On est de nuit, donc logiquement ça va pas falloir faire du tout de bruit. Parce que là, on peut être vraiment considéré comme des cambrioleurs, comme des braqueurs, comme ce que tu veux les gars. Une belle dégaine de cambrioleurs. Hein. Zach est entièrement noir, je suis entièrement noir, capuché. Au moins, s'il y a quelque chose les gars, on ne reconnaîtra pas nos visages. Là je pense qu'on peut enchaîner avec la première poubelle. Sachez quelque chose les gars. En France, c'est légalement autorisé de fouiller les poubelles. C'est-à-dire que les vidéos en France, j'étais légalement dans mon droit, mais à Monaco, c'est totalement illégal et interdit de fouiller n'importe quelle poubelle. Ce qui signifie que là, si on se pétait, il n'y aura même pas deux, on fouillait juste des poubelles. On va être vraiment en garde à vue. Déjà, premièrement, on va essayer d'ouvrir. C'est fermé, je crois. Il y a ça qui bloque en fait. Les gars, faut débloquer la poubelle, et pour débloquer la poubelle, ils ont mis un système. On décale ça. La poubelle est déverrouillée, on va aller fouiller. Ok. Déjà, premièrement, il n'y a aucune nourriture. Il n'y a que des cartons. Si on veut bien voir, il va falloir obligatoirement rentrer dedans. Si on rentre dedans et que la sécurité ou les flics passent, on ferme les portes de la poubelle et on se cache, on bouge plus. C'est parti, les gars, on rentre dedans. S'il y a un rat dedans, frère. Il y a même le rat, il est plus riche que toi, là-bas, dans la poubelle. Là, c'est carré. On est actuellement dans la poubelle Maison Christian Dior. Et là, tu commences à trouver des bons bails, frère. C'est quoi ce carton, frère? Est-ce que la décoration à l'intérieur du magasin Christian Dior se fait dans ce magasin? Je ne sais pas du tout. Les gars, il y a beaucoup de gros cartons, mais malheureusement, il n'y a absolument rien écrit dessus, les gars. Ce qui signifie qu'en fait, genre, même leurs cartons où ils achètent des trucs, ils laissent aucune trace. Marble Premium, collection Premium, les gars. En gros, c'est un truc en marbre. Ce qui signifie que Dior, leur boutique, ils ont certaines pièces qui sont faites en marbre. Ça, c'est un carton qui contenait du marbre. Je pense que Dior... Ferme. Arrête, t'as fait trop de bruit. Mais t'as fait trop de bruit, gros. Je roule les voitures. Le flash, mais t'as fait trop de bruit. Non, pour moi, c'est pété. Voilà, je te balance. Ah, je trouve une cachette pour les gars. Vas-y, laisse-moi cacher, frère. Non, faites pas de bruit, les gars. Le bruit, il a rentré comme un sanglier, ce clon chat. Les gars, les papiers, c'est des factures, boutique, duplicata, Christian Dior Couture Paris. Et le mec, il a commandé pour 790€ une sneakers, frère. Il a commandé 800€ une paire de chaussures. C'est une bande d'iPhone, frère. Non, c'est pas une bande d'iPhone. Je trouve que c'est un téléphone mobile de travail, gros. On trouve beaucoup d'emballages, mais il n'y a rien. Moi, ce que j'aimerais bien, les gars, c'est qu'un téléphone de travail, mais qu'il le laisse à l'intérieur. Moi, je trouve ça, on est en bénéfice. Ouais, moi, c'est vraiment un téléphone. Ça, on dirait pas le dessus d'une boîte à chaussures. C'est un bon. Non, c'est quoi ça? Wesh, il y a un petit peu de saleté, les gars, c'est un petit peu rouge, mais on dirait un sac plastique où en fait, genre, ils te mettent les trucs à l'intérieur, tu vois. Et le sac plastique, les gars, il a l'air vraiment de qualité. Il y a des étiquettes en plus dedans. Étiquette Ralph Lauren chez Dior. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que ça fout des étiquettes Ralph Lauren chez Christian Dior, frère? Soit on en avance, on a trouvé possiblement une collaboration entre Christian Dior et Ralph Lauren, soit c'est que c'est un mec de chez Christian Dior, il a reçu son collier au travail et c'était du Ralph Lauren. Les
gars, on part sur une mini défaite. On a fouillé entièrement la poubelle de fond en comble. On repart avec des factures, un sac, du Ralph Lauren, un dessous de gobelet qui vient de chez Christian Dior. Donc là, les gars, pour la poubelle de Christian Dior, faut dire les termes, c'était vraiment de la D. On se taille et on va essayer de trouver notre poubelle. Hein. Donc les gars, on sort et on se retrouve dans une autre poubelle. C'est parti. Après plusieurs heures de recherche, on a enfin trouvé un conteneur qui englobe tous les magasins de l'avenue commerciale de Monaco. Cette avenue, les gars, il y a Louis Vuitton et Dior. C'est parti. On va fouiller et on va voir qu'est-ce qu'on trouve dans cette benne. La seule règle, les gars, à retenir dans cette vidéo, celui qui trouve l'objet le garde pour lui. Tu trouves un objet, tu le gardes pour toi. Il n'y a pas de partage. Ah, vu, tu... ah les gars, il commence à faire du bruit, les gars, c'est le vigile qui va arriver. Je serai pas avec toi. En tout cas, ce qui est bon signe, les gars, c'est que ça n'a pas l'air de sentir mauvais. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de nourriture. Des cafés, les gars, c'est typiquement le genre de café qu'on peut vous servir à Louis Vuitton. Ah, vu, tu penses à un bordel, frérot. Bon, là, je sais pas ce que tu cherches, gros. Bah, j'ai quelque chose. Je crois, moi, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous amener vers un Engis. Il y a une sorte de carton et la truc s'écrit Roquefond Country of Origin Poland. Ce qui signifie que peut-être que les marques de luxe se fournissent en Pologne en fait. Ce carton, dites-vous, il vient des marques de luxe et je sais pas à quoi ça sert. C'est ni une sacoche Gucci, c'est ni une sacoche Louis Vuitton. Ça ne sert absolument à rien pour nous. Les gars, j'ai l'impression que Monaco, c'est la ville tellement propre, tellement du luxe que même leurs poubelles, les gars, ils font attention de rien mettre dedans. Ça fait environ presque, je pense, 40 minutes, 35 minutes qu'on fouille et il y a toujours aucune trouvaille. J'ai fouillé cette poubelle pendant près de 45 minutes en pensant que c'était une poubelle Louis Vuitton, mais après avoir bien fouillé, on s'est rendu compte que cette poubelle n'avait rien à voir avec la marque Louis Vuitton. On a cherché et encore cherché les poubelles de Louis Vuitton. Donc on a décidé d'aller directement là où on a le plus de chances de trouver quelque chose dans les poubelles de Louis Vuitton. Et cet endroit, c'est directement devant l'usine où sont fabriqués tous les produits Louis Vuitton. Suivez-moi les gars, on va aller fouiller et trouver leur poubelle. C'est parti. Les gars, on pensait franchement que Louis Vuitton ça allait être accessible, vous allez pouvoir rentrer dans leur usine. Mais regardez-moi ça, les gars. En fait, c'est trop sécurisé. Venez, on va voir quand même, on va essayer de s'approcher. Regardez-moi ça, les gars. Il y a écrit vraiment Louis Vuitton, les gars. C'est vraiment la folie. Je sais pas comment on va faire, les gars, parce qu'il y a plein de grillages. Est-ce qu'on escalade? Est-ce qu'on fait quoi? Je sais pas, il y a pas de caméra. Il y a les caméras déjà. Il y a pas de caméra. Déjà, juste à l'entrée, les gars, il y a deux caméras. On est revenu spécialement pour Louis Vuitton pour trouver les poubelles. On a fait plus de 300 km pour arriver à l'usine Louis Vuitton. Et là, on peut pas rentrer. Soit on sonne, soit on escalade. Et là, c'est plus les flics qui viennent, je crois. Là, c'est vraiment l'armée qui vient. Soit on fait tout le tour de l'usine jusqu'à voir où elles sont leurs poubelles. Là les gars, on fait le tour. L'usine, les gars, elle est juste ici. Elle est vraiment énorme, les gars. Pas regarder juste là-bas, les gars. Il y a des caméras de partout. Là, il y en a trois autres. Là, c'est miné. Ah, je crois que tu mets juste ta main sur la barrière. T'es cuit. Escalader déjà, c'est mort. C'est le but aujourd'hui, c'est de trouver leurs poubelles et de les fouiller au maximum possible. On arrive devant une deuxième entrée. Il y a le plan entier de l'usine. Et s'il y a le plan, on va pouvoir voir où sont les poubelles dans l'usine. Il y a des poubelles, gros. Je les vois, les poubelles sont là-bas. Là, les gars, regardez-moi ça. C'est le plan de l'usine Louis Vuitton. Et dans le plan, on voit que tout ce qu'il y a en rouge là, c'est tout simplement les conteneurs à poubelles de la marque. Et si on regarde bien, les gars, ils sont juste derrière. Oh, il y a écrit pour ouvrir la porte, faut appeler ce numéro de téléphone. Est-ce qu'on essaie d'appeler ce numéro de téléphone pour rentrer dans le. On essaie d'appeler. On appelle ce numéro, il nous ouvre, on rentre et on fouille. C'est beau ou pas, les gars? Vas-y. Là, les gars, j'ai composé le numéro directement qui est écrit devant l'usine et on va leur demander si on peut rentrer et après on fouillera les poubelles. Je pense que ça va être un refus catégorique. Oui, bonjour. Je vous contacte parce que on est devant l'usine Louis Vuitton de Marsaz. Non, je suis désolé, oh, c'est inaccessible, c'est privé, c'est de production, donc on a que pas le plus luxueux. Ok, bah du coup pour aujourd'hui c'est impossible de rentrer. Aujourd'hui là ouais c'est impossible de rentrer, je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup d'activités donc on n'a pas de public. Ça marche, pas de soucis. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Les gars, c'est totalement mort, les gars. Le public est interdit. Je suis même pas à 150 mètres, 200 mètres de mon but ultime, fouiller les poubelles de Louis Vuitton. Et à côté, il y a également des gens. Donc si je rentre, je suis totalement mort. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, les gars. Est-ce que j'escalade? Est-ce que j'escalade pas? Au-dessus des poubelles, vous avez trois caméras au-dessus des poubelles. C'est du luxe, donc c'est normal, ils protègent pour que même ceux qui travaillent dans l'usine, ils font pas péter en fait. Voilà, c'est ça, c'est normal. Là, les gars, on vient de voir un truc, ils viennent de sortir un colis, les gars. Et si vous regardez cette livraison, les gars, c'est comme des rouleaux. Et j'ai l'impression en fait que c'est des rouleaux Louis Vuitton. C'est-à-dire que, imaginez juste, ils découpent les rouleaux de tissu Louis Vuitton, et il y a un petit tissu qu'ils ont raté, et ils mettent dans la poubelle. C'est pour nous. Là, c'est le moment de devenir riche, gros. C'est le moment de devenir riche. Les gars, l'usine Louis Vuitton, c'est inaccessible. À part si on escalade et qu'on finit en garde à vue, c'est totalement impossible. Franchement les gars, je suis dégoûté. Moi qui voulais devenir riche en fuyant l'usine de Louis Vuitton, en fuyant les poubelles, là les gars c'est mort. Mais j'avais prévu ça les gars, je m'étais dit si Louis Vuitton c'est trop compliqué à fouiller, on doit trouver une solution. En cherchant sur internet, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une usine dans cette ville, mais il y en a trois usines Louis Vuitton. On a perdu du temps ici, mais on va aller directement dans les autres usines pour essayer de voir si les deux autres usines, est-ce qu'il y a de la place pour fouiller les poubelles. On y va, c'est parti les gars. Là les gars, on est devant la deuxième usine Louis Vuitton. On va trouver les poubelles à fouiller tout de suite. Je crois que l'entrée principale de l'usine
l'usine, elle est vers là-bas. Bah, alors, suivez-moi les gars. Si la poubelle elle est protégée, qu'elle est fermée, on devrait escalader, Zach. C'est comme ça gros. On n'a pas fait 300 km pour rien les gars. On y va, let's go. Dites-vous que tout ça là, c'est la deuxième usine Louis Vuitton les gars. Là, l'usine, elle est beaucoup moins belle. Ouais. Il faut trouver les poubelles les gars, go. Les gars, vous-même vous voyez juste au-dessus, le logo Louis Vuitton est sur l'usine. La seule question maintenant c'est comment on va rentrer. Mais frérot, je vais pas te mentir, il y a deux caméras à côté. Ça veut dire déjà, on trouve pas la poubelle, alors si on rentre, qu'on soit attrapé par la caméra, on est cuit. Quand je dans la vie, faut prendre des risques. Non. Oh là, ça s'ouvre. Les gars, voilà que c'est ouvert. Ça s'ouvre. Mais les gars, voilà que c'est ouvert, les gars. Ça se fait pas parce qu'on veut pas d'embrouille avec lui, Vuitton. On a absolument rien, on n'a pas touché, les gars. Alors, on va partir d'ici, les gars. Blague, on va arrêter de fouiller des poubelles. Allez. On ne fera pas les poubelles de Vuitton, les gars. Voilà. Je suis choqué, c'est une blague. On ne faut pas fouiller les poubelles. J'ai pas rentré, j'ai pas touché. On se trouve juste après, les gars, c'est parti. Là, les gars, on vient de arriver devant l'usine Louis Vuitton, la troisième qu'on vous a dit, les gars. Elle est complètement en vert et on voit directement l'intérieur de l'usine. L'usine, elle est ici, les gars. Et regardez-moi ça, les gars. Les gens, ils travaillent dedans. Les gens, ils sont là, ils sont en train de coudre et tout. Regardez-moi ça les gars. Et là à gauche vous voyez il y a des tissus Louis Vuitton les gars. Ce qui signifie les gars tout simplement que là si on trouve une poubelle dans cette usine là, c'est vraiment le jackpot. On va essayer de trouver une poubelle les gars et on vous dit si on a trouvé une poubelle. C'est parti. On est devant la porte d'entrée et ils veulent pas nous ouvrir en fait. Moi je dis les gars on rentre pas à sortir. On pose la voiture, on rentre à pied. Là les gars, on a enfin trouvé une poubelle. C'est les poubelles de l'usine les gars. Elles sont juste derrière. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là-bas il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait environ 11 poubelles à fouiller. Première poubelle quoi. Ouais, c'est quoi ce délire, frère? Leurs poubelles, elles sont faites pour ne pas qu'on fouille. Regardez-moi ça, les gars. La poubelle, elle est là, elle est comme ça normalement. Et là, les gars, regardez dès qu'on ouvre. En fait, elles sont faites pour ne pas qu'on fouille. Ils sont bien protégés. Ils sont bien protégés. En fait, là-bas, ça marche pas? Vas-y, fouille. Ah non. Il y a une clé là. Normalement, il y a une clé. Il faut que ça marche vraiment pas ici. Toutes les autres poubelles, c'est comme ça. S'ils protègent autant que ça, là, s'ils mettent un système, ça veut dire qu'il y a quelque chose, les gars. C'est sûr. Tout est fermé, les gars. Ce qui signifie que Louis Vuitton, déjà, les poubelles comme ça, elles sont intouchables. On peut pas les fouiller, les gars. Il nous reste qu'une seule solution, Zach, les poubelles derrière. J'ai rien des choses. Y'a pas un truc là? J'ai rien une lettre gros. Imagine, y'a une lettre avec un chèque de. Comment? En vrai? Attends. Vas-y, regarde. Kaek la réserve Saint-Didier. Imagine, y'a des sous. Ah, je pensais qu'il est vide. Ouais, elle est vide, ouais. Ça les gars c'est un colis et ça a déjà été ouvert. En fait j'ai l'impression que ça, c'est la poubelle fait spécialement pour la nourriture. Get. De la bouffe. Ça les gars, c'est un cintre. Un cintre, ce qui signifie que les gars Louis Vuitton ont des cintres parce que c'est tout simplement un magasin d'habits qui font des vêtements. Donc ils sont obligés d'avoir des cintres. Et regardez-moi ça les gars, c'est peut-être un cintre Louis Vuitton. En tout cas, est-ce qu'un cintre Louis Vuitton vaut plus cher qu'un cintre normal? Je ne sais pas les gars. En tout cas déjà, première trouvaille. Papier bulle les gars pour envoyer les colis Louis Vuitton, quoi que ça s'abîme. Ils sont résistants. C'est là qu'on voit la qualité de chez. La qualité. Normalement je sais pas, t'as que doit ouvrir la caisse. Ça me dégoûte les gars, un jambon, je sais pas si vous allez avoir les gars. C'est bon, c'est à Louis Vuitton les gars, entre midi et deux. Sinon je suis petit jambon les gars, je vais faire un. Moi je veux pas savoir ce qu'il mange. Je vais ça. Voilà. Dans cette poubelle les gars, vous allez voir, il y a vraiment que de la bouffe. On va aller voir l'autre, en espérant qu'il est mieux. Là les gars, moi dans ma poubelle, j'ai trouvé un cintre et tout ce qu'on peut appeler de la nourriture, un papier bulle élevé. C'est au tour de Zach, je te rappelle la règle, tout ce que tu trouves dans la poubelle de chez Louis Vuitton, c'est à moi. De l'usine Louis Vuitton, c'est à toi. C'est donc si tu trouves une sacoche Louis Vuitton, tu la revends et c'est carré. Là je pense que t'es pas prêt de trouver une sacoche Louis Vuitton parce que dans la poubelle, il y a l'air d'avoir que de la nourriture. T'as pas rien qu'on fait. Vas-y, non. C'est quoi ça? Imagine c'est une jante. Imagine... Attends wesh. Wesh c'est quoi ça frère? Ah c'est un miroir. C'est quoi ça? Ah c'est un miroir. Mais imagine c'est un miroir Louis Vuitton. Essaye de voir s'il n'y a pas une marque. C'est pas Louis Vuitton la marque. C'est pas Louis Vuitton les gars, c'est pas Louis Vuitton. Donc arrête, vas-y, tu peux le rejeter à l'intérieur. On va chercher encore les gars. Vas-y. J'ai l'impression que la personne derrière, c'est une personne qui travaille à Louis Vuitton. À tout moment il nous crame, il nous poucave. Sors des trucs frérot. Mais wesh, il est énorme. Est-ce que c'est un palais Louis Vuitton? Franchement je pense pas. Je pense que c'est Louis Vuitton, je vois ils font du ménage là-bas. Parce qu'il y a des femmes de ménage. Mais t'as abusé frère. Quoi, ça? Attends, les gars, il veut trouver un truc de fou, Zach. Il a trouvé quelque chose qu'on pose au sol. Et là, en gros, tu poses une veste dessus. En tout cas, ça, c'est cool parce que ça, c'est de la marque Louis Vuitton. À mon avis, ils l'ont jeté parce qu'il est un petit peu tordu. Mais je peux le garder. Les gars, pour le moment, Zach a plus de chance que moi dans sa poubelle. Moi, j'ai trouvé qu'un cintre. Il a trouvé un porte-manteau Louis Vuitton. Y'a rien d'autre. Bah, je crois que ça y est. C'est vrai. Ce que je peux vous dire, les gars, c'est que t'as fait le tour. C'est qu'il consomme beaucoup de nourriture à Louis Vuitton. Ouais. Deux poubelles entières remplies de boîtes de conserve, de ratatouilles. Après, on a vu dans le parking, ils étaient beaucoup aussi. Hein. C'est vrai qu'ils sont vraiment beaucoup, les gars. Sont pas mal. Si vous savez, il y a un restaurant à l'intérieur de l'usine. Pour se nourrir, on l'a vu, c'est écrit restaurant Louis Vuitton. Atelier restaurant. Donc, c'est vraiment chaud, les gars. On passe après une poubelle, c'est parti, c'est à mon tour de la fouiller. Là, les gars, c'est une facture, les gars. C'est free, forfait, mobile. Ce qui signifie, les gars, tout simplement, en gros, la connexion internet à l'intérieur chez Louis Vuitton, ça se passe chez Free. Allez, prends ça. Frérot, je fouille ma poubelle. Tout ce que je trouve, c'est à moi. Bah, en tout cas, tout à l'heure, il trouve quoi? Rien. Encore
encore du papier. Mais quel encore du papier, frère, c'est écrit. Ouais, c'est Louis Vuitton. Ah les gars, Louis Vuitton, Matchier à Paris, maison fondée en 1875, réédition. Et regarde, en fait, c'est une facture de Louis Vuitton, gros. C'est écrit tout simplement 2235 euros. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a acheté? La personne, elle a acheté quoi? Messenger Alpha Limité White, 1900 euros. Et elle a acheté ceinture LV Initial Damier, 335 euros. Et elle a payé en cash, 2235 euros en cash. Ah, il y a même un numéro de téléphone. Ça nous prouve qu'on est bien chez Louis Vuitton. Ouais. Mais à part ça, les gars, de poubelle, il n'y a rien. On va continuer à la poubelle. Moi, je veux trouver du sale. En fait, je veux qu'on porte en bénéf. Là, pour le moment, les gars, on a fait Monaco, 300 km. Ici, 300 km. Rien à voir avec Monaco, les gars. Parce que les îles de Louis Vuitton sont en plein milieu de la France. Faut repartir, les grands bénéf. Go, Zach, trouve. Ah, décale. Tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, il a raison. Attends, vas-y, je te guide, Zach. Attends, je vais quelque chose. Attends, non, ça c'est pas bon. Vas-y, là, chope. Kiff. C'est quoi ça? Quoi, j'ai mis du orange. Papa, c'est un carton pour tapis. Est-ce que c'est un tapis Louis Vuitton? Mais tu tapis rien du tout. C'est un truc action. Oh, c'est lourd. C'est gaffe, Mais les gars, ouais. Un sac rempli de papier déchiqueté. Autant c'était de factures. Ah, les données. Déchiqueté, autant c'est données de papier. Attends. Ah, vas-y, sors. Tiens, prends ça. Ouais. Les gars, on va demander ça. Un sac rempli de papier comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est des données privées que veulent pas que Louis Vuitton veut pas qu'on sache? Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est pour cacher quelque chose. Ça m'a un truc de chéquier. La poste, ah les gars, ouais, c'est vrai. Ils ont déchiré un chéquier. Soit c'est tous les chèques des clients qui sont pas encaissés. Soit c'est un truc comme ça, les gars. Et je vous le dis, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Donne. Ma parole, je reconnais, frère. Non, c'est quoi les trucs. C'est les sacs des habits. C'est les sacs des habits qui sont là. Regarde, il y a un sac sur le Attends, regarde. On va dans le ticket. C'est quoi le ticket? Oh, il y a que des chiffres. Regarde, mon frérot, c'est toi qui l'as trouvé, c'est pour toi. Moi, les gars, je veux la dernière paire Louis Vuitton que tous les footballeurs ont. Là, on vous a tout montré. Pour vous montrer vraiment c'est quoi la réalité des vidéos, les gars. C'est que en 2-3 jours de tournage, on va absolument rien trouver. Des fois, ça peut durer une semaine. Là, les gars, c'est le troisième jour. On n'a aucun objet de luxe qui se vaut cher. Deux heures ou trois jours de route, là. On va aller une derrière. Arrête de parler. Tu vas rien sonner du tout. Ma parole, je vais trouver une dinguerie. Quoi? Ma parole, je vais trouver une dinguerie. Quoi? Guette-moi ça, attends. Juste guette ça. Non. Mais c'est quoi? Guette-moi ça, c'est quoi? Guette-moi ça. Vas-y, fais gaffe, je vais déchirer. Déjà, il est pas neuf. Ma parole, ça prend combien? Mais ma parole, c'est 20 000 euros. Ah ouais, ça se voit. De toute façon, la qualité, elle reste. Ma parole est rapistole, je le revends 2000 euros. Je m'y connais les gars, des coutures aussi mal faites que ça. Regarde-moi ça, c'est un faux. Louis Vuitton, il va faire. Attends. Guette juste les coutures, guette. Ça, une couture comme ça, jamais Louis Vuitton tu l'auras. Même après 20 ans. Ça vaut même pas 30 euros ça. Des fois, ce qui se passe, les gars, c'est que dans les entreprises comme Louis Vuitton, Nike, Gucci, tous les trucs comme ça, dès que tu viens faire authentifier, parce que je peux faire venir authentifier un sac. Mais si Louis Vuitton, tu leur ramènes un faux et qu'ils voient que c'est un faux, ce qu'ils peuvent faire, c'est de te dire, on garde le sac et on doit le détruire. Parce que les coutures sont illégales. On a enfin fini de fouiller toutes les plus grandes poubelles des gros magasins de luxe français. Et là les gars, on fait un petit récapitulatif. Moi j'ai trouvé premièrement les gars une facture Louis Vuitton qui s'affiche ici les gars. Ça vaut absolument 0€ les gars. Ensuite les gars, on a également trouvé des factures Dior qui s'affichent ici les gars. Des factures Dior les gars, ça vaut également 0€. Zakos a réussi à trouver une sorte de porte-manteau qu'on doute qui vient de Louis Vuitton les gars. Parce qu'on l'a trouvé dans la poubelle de Louis Vuitton qui est juste derrière. Donc un porte-manteau, parce que vu que ça vient de Louis Vuitton, ça vous serait moins 30€. On a également trouvé les gars un grand sac plastique où on met des habits. Un sac plastique, ça c'est sûr qu'il vient de Louis Vuitton. Ouais, ça vaut 2-3€. Et on a également trouvé un sac plastique entier les gars, avec plein de logos et à l'intérieur plein d'étiquettes Ralph Lauren. Dommage qu'il n'y avait pas d'habits Ralph Lauren, mais ça vaut combien ça? Même pas 1€, 2€ je pense. De plus, on peut rajouter ce manche à balai qui vaut vraiment moins de 5€, clair et net les gars. C'est la pépite de la vidéo qu'on a fait. C'est vrai que le plus gros truc fouillé dans cette vidéo, c'est ce bon vieux sac entre guillemets contrefaçon qu'on a mis à 20€, 30€. Les gars, en fait, c'est très très simple. On a regardé le sac, on a pu le vérifier, les gars. On s'est dit, autant c'est un vrai qui a très très beaucoup subi de choses, autant c'est un faux qui tient pas la qualité. Donc, la meilleure chose à faire, les gars, c'est d'aller chez Louis Vuitton et de leur demander de l'authenticité. Je veux l'expertiser. Je pense que c'est trop dangereux d'aller directement le faire authentifier à l'usine Louis Vuitton. Ils vont savoir qu'on l'a volé dans leur poubelle, les gars. Donc, je pense que sur Instagram, j'essaierai de faire une authentification directement dans un vrai magasin Louis Vuitton pour voir si ce sac est vrai ou faux. En fuyant les poubelles des plus grands magasins de luxe, on a trouvé un sac Louis Vuitton, un porte-manteau, des sacs en plastique, des factures de magasin. Et si vous voulez voir tout ce qu'on a trouvé en fouillant les poubelles des plus grands magasins de football, cliquez juste ici, en haut à gauche.